Disparition d'Émile, deux ans et demi, quels sont ces témoignages faux qui peuvent perturber le travail des enquêteurs Si certains témoins pensent pouvoir aider les forces de l'ordre grâce à leurs souvenirs, il est possible que la mémoire de certains puisse leur jouer des tours. Cela fait désormais plus de trois semaines qu'Émile, un petit garçon de deux ans et demi, a disparu au Auvernais, Alpes de Haute-Provence où il était en vacances dans la maison de ses grands-parents. Des témoins l'ont vu pour la dernière fois en train de descendre un chemin, seul, avant qu'il ne se volatilise. 97 hectares de terrain autour du village ont été fouillés, tous ses habitants, les personnes présentes au moment des faits et même plus, ont été interrogés, les maisons du hameau et voitures ont été également explorées, en vain. À ce jour, les investigations sont marquées par le déploiement de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains ainsi que celui de drones dans les alentours du village. Mais ce n'est pas tout. Les habitants sont une fois de plus interrogés. Une méthode qui soulève quelques questions. Quelqu'un de sincère qui croit avoir vu quelque chose, point dans les colonnes du Figaro, le général François Daoust a livré des détails sur cette enquête qui semble toujours au point mort, les pistes sont nombreuses, si est vrai. Les enquêteurs ont déjà interrogé un certain nombre de personnes, parfois plusieurs fois, et ils ont des éléments qui leur sont recoupés ou au contraire qui divergent. Il s'agit donc de vérifier si ce sont des témoignages faux ou de faux témoignages. Si est-il de cette façon, en plus de l'analyse des traces relevées sur place, que le champ des possibles va peu à peu se réduire. Hélas, il y a toujours des affaires qu'on sait criminelles mais sans qu'aucune piste n'émerge. Point est l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale d'alerter quant à ses témoignages. Si certains témoins pensent pouvoir aider les forces de l'ordre grâce à leurs souvenirs, il est possible que la mémoire de certains puisse leur jouer des tours. Le témoignage faux est celui de quelqu'un de sincère qui croit avoir vu à un instant et en un lieu donné quelque chose. si est son cerveau qui le trahit un faux témoignage si est quelqu'un qui sait quelque chose et qui travestit la vérité explique le général François Daoust cet expert criminalistique invite donc à être vigilant quant aux témoignages soumis à l'épreuve de la mémoire alors qu'à ce jour aucune piste n'est écartée